Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Chez vous Sport. Vous le savez, toute cette semaine, nous sommes au Nantes-Loire-Atlantique Handball et aujourd'hui avec une femme, Loretta Ivanovska, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Très bien, oui. C'est originaire de Lituanie, mais à Nantes et au NLA depuis la création du club. Vous êtes actuellement l'adjointe de Yann Basny. Le NLA, c'est un club qui vous colle à la peau, c'est ça? Racontez-nous un peu. Je ne dirais pas que ça me colle à la peau, mais je pense que c'est des bonnes années de ma vie passées en France. Depuis que je suis arrivée, je suis au club et donc je pense que j'ai suivi toutes les étapes de construction, des bonheurs, de joie et peut-être parfois des tristesses de ce jeune club. Vous avez vécu toute l'évolution, adjointe avec Stéphane Moilec, le précédent entraîneur, adjointe avec Yann Basny maintenant. Comment vous travaillez justement? C'est difficile de travailler avec des hommes quand on entraîne des femmes? Avec les hommes, je pense que c'est toujours difficile parce qu'il y a un peu comme sur le terrain, rapport force, mais je pense qu'on a plus ou moins une culture de l'Est. Je pense que ça aide beaucoup au niveau des attentes et un peu au niveau d'échange. Après, on parle toujours de même chose, hein, on parle d'handball. Et quand on veut être performant, je pense que les exigences, elles sont pareilles. Le fait de voir votre club de cœur, au plus haut niveau national, et puis qui marche plutôt pas mal cette saison, vous avez atteint le summum pour vous? Non, pas du tout. Je pense qu'on est juste au début de l'aventure. Juste un club qui doit encore beaucoup se structurer. Quand je dis se structurer, c'est au niveau de secteur jeune, au niveau de centre formation, au niveau administratif et surtout au niveau des infrastructures, des salles. Et je pense qu'on est tout au début de grande aventure. Maintenant, il faut qu'on grandisse et qu'on progresse tous, les bénévoles, les joueuses, les entraîneurs, mais tout le club. Eh ben merci beaucoup, Loretta, d'avoir répondu à mes questions. Voilà, c'est la fin du Chez vous Sport, ici au NLA. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau club du département. Salut. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.